C'était en mars 2020. Les rues étaient vides, les magasins fermés. Les gens ne pouvaient plus sortir. Mais le printemps ne savait pas. Et les fleurs ont commencé à fleurir. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Les hirondelles allaient bientôt arriver. Le ciel était bleu. Le matin arrivait plus tôt. C'était en mars 2020. Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison. Les gens ne pouvaient plus faire du shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt, il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de tomber malades. Mais le printemps ne savait pas. Le temps d'aller au jardin arrivait. L'herbe verdissait. C'était en mars 2020. Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, les familles et les enfants. Plus de réunions ni de repas, plus de fêtes en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. Mais le printemps ne savait pas. Les pommiers, les cerisiers et autres ont fleuri. Les feuilles ont poussé. Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chanter sur le balcon en invitant les voisins à faire de même. Ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé l'importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l'économie qui a dégringolé. Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits. Les oiseaux ont fait leur nid. Les hirondelles étaient arrivées. Puis le jour de la libération est arrivé. Les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu. Les gens sont descendus dans la rue. Ils chantaient, ils pleuraient. Ils embrassaient leurs voisins sans masque ni gants. Et c'est là que l'été est arrivé. Parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là, malgré tout. Malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas. Il a appris aux gens le pouvoir de la vie. Tout va bien se passer. Restez chez vous, protégez-vous. Et vous profiterez de la vie. Répétez ceci. Répandez-le et restez amoureux. Sans autre commentaire, c'était en mars 2020.